Elle était comme un soleil, Samuel Le Bihan se confie sa partenaire de jeu atteinte de trisomie dans Alex Hugo. Ce mardi 28 mars, Alex Hugo, la série phare de France 3 revient pour un nouvel épisode inédit dans lequel Samuel Le Bihan reprend son rôle culte. Un épisode qui marque le départ de Marilyn Canto, et qui a aussi permis de révéler une jeune actrice comme le raconte l'acteur. C'est l'une des séries les plus populaires de France 3. Alex Hugo, toujours campé par Samuel Le Bihan, est de retour après de longs mois d'attente pour un nouvel épisode inédit, nommé Les Indomptés. Dans celui-ci, Alex Hugo devra enquêter sur le braquage à main armée d'un camion de boucher par des jeunes hommes en moto. Une enquête qui va lui faire découvrir des criminels qui se prennent pour Robin des Bois. Et qui s'apprête à s'en prendre à un businessman plutôt louche, qui est connu pour ses pratiques polluantes. Une enquête sous haute tension pour Samuel Le Bihan qui a malgré tout pu profiter de décors idylliques pour tourner ce nouvel épisode. En effet, les équipes ont posé leurs valises à Briançon, afin de mettre en scène cette nouvelle enquête. Une enquête au cours de laquelle les spectateurs verront partir l'actrice Marilyn Canto de la série. Un départ triste pour les fans, qui auront la chance de découvrir une jeune actrice avec laquelle Samuel Le Bihan a adoré tourner. Si le tournage a eu lieu dans une des plus belles régions de France, l'épisode de ce soir met le personnage d'Alex Hugo face à un gros dilemme comme le raconte Samuel Le Bihan à Télé 7 jours, il a une conception de la justice qui est avant tout humaine. Tandis que la loi administrative est plutôt froide et sans affect. L'humanité du personnage de Le Bihan sera donc mise en avant dans un épisode, interrogeant la légitimité d'actes criminels. Lorsqu'ils interviennent pour une cause plus grande, comme protéger la nature. Les émotions seront donc au rendez-vous, notamment avec la présence de la jeune Alice Dubois, qui incarne un personnage qui mettra en avant les émotions d'Alex Hugo. Une jeune actrice qui a une particularité, comme l'explique Samuel Le Bihan, l'humanité d'Alex se reflète aussi dans les scènes de complicité qu'il a avec Emma, une petite fille trisomique. Afin d'incarner ce personnage, la série a engagé une jeune fille atteinte de trisomie. Un choix fort, et une chance pour son interprète, ce qui a beaucoup touché l'acteur. Je n'ai pas prêté attention à sa particularité. Elle était comme un soleil parmi nous. Apportant sourire et apaisement, déclare-t-il. Une jeune actrice solaire donc, qui a apporté beaucoup de douceur sur le tournage de la série, et que les téléspectateurs pourront découvrir sur France 3, ce mardi 28 mars.